Allez, ref, j'ai trouvé le plan. Parce que voilà, le problème du club, c'est pas les joueurs, c'est pas les supporters, c'est rien de tout ça, c'est l'entraîneur. Pochettino, il est vraiment claqué, je suis désolé, il est argentin comme moi. Normalement, c'est la famille, tout ça, on est proche. Mais finalement, je vous dis la vérité, il est nul. Il affaiblit le club, il fait n'importe quoi, il fait des tactiques dans n'importe quel sens, il fout la merde ici, c'est dégueulasse. Il a aucune idée de ce qu'il fait, il est vraiment complètement perché. C'est pour ça que là j'en suis arrivé à une solution, faut qu'il quitte le club. J'ai vu qu'en Angleterre il a encore la cote parce qu'il était plutôt bien avec Tottenham. Et voilà, tu vois, il y a des clubs qui le veulent là-bas, il y a des clubs comme Manchester United et je pense qu'il devrait y aller. Parce que ça permettra au PSG d'être meilleur parce qu'il va partir et c'est lui qui nous affaiblit. Et en même temps, il va affaiblir l'équipe de Cristiano Ronaldo, mon pire ennemi. Donc, franchement, c'est tout bénef pour moi, pour le club, pour tout le monde. Franchement, je suis trop content. J'aimerais trop que ça se passe comme ça. J'aimerais trop qu'il aille foutre sa merde à Manchester United. J'aimerais trop qu'il aille affaiblir cette équipe, affaiblir Ronaldo et lui gâcher ses dernières années dans le football. Franchement, je le souhaite de tout cœur. J'aimerais trop. Là, j'essaye de lui parler, je lui dis, je lui envoie des photos de Manchester et tout, je lui envoie des photos, je lui montre des belles régions de là-bas, tu vois, je lui dis, regarde mec, tu t'y sentiras super bien là-bas, c'est une bonne ville et tout pour les gros comme toi, il y a des trucs de ouf à manger là-bas, tu peux y aller, tu peux picoler, tu peux faire plein de trucs, je suis en train d'essayer de le motiver comme ça, tu vois, et en plus, il y a de l'oseille, donc voilà, je pense qu'il peut kiffer là-bas. Et nous, à Paris, on serait super heureux de le voir détruire Manchester United. Et en plus, on sera beaucoup plus libre sur le terrain, on pourra être beaucoup plus collectif, on pourra avoir n'importe quel entraîneur, ça sera toujours mieux que lui. Donc voilà, nous, on sera beaucoup plus fort. Et ça, c'est merveilleux, on a besoin de ça. Donc là, je suis en train de parler avec Nasser et tout. Et on va essayer de le taire, hein. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Faut qu'il se barre du club, il faut qu'il atterrisse à Manchester.